Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est très précisément 9h27, quand je vous dis que je suis dans le parle avec ma tête toute défraîchie du matin, je viens de me lever il n'y a pas très longtemps, j'ai juste allumé le poêle, fait sortir les chiens bien évidemment, fait mon café, et voilà, j'ai été répondre aux premiers commentaires qu'il y a eu cette nuit, et voilà, c'est tout. Donc cette semaine, Georges est en congé. Donc le matin, je peux vous prendre sans aucun souci. L'après-midi, ce sera beaucoup plus compliqué. Si j'ai tout ça à vous dire, il faudra qu'on aille dans le bureau ou que je le prévienne qu'il ferme bien sa bouche quand j'ai appris sur enregistrer. Mais ça, c'est pas gagné. Hein. Donc, petit bilan du week-end comme à chaque ouverture. Donc là, le poêle tourne à plein régime. Hein, mais je me suis réveillée, il faisait 15 degrés dans la maison. Donc le temps que ça chauffe, ça va faire du bruit. Hein. Donc samedi, je n'ai rien fait. Non, c'était journée glandage total. Je n'ai absolument rien foutu, hormis regarder Esprit Criminel. Et je suis bien avancée. Hein. Je suis à la saison 9 déjà, donc vous voyez, j'ai pas chômé. Dimanche, j'ai tourné la vidéo que vous avez eue vendredi sur mes cadeaux d'anniversaire. Je vous la remets dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Ça a été la vidéo très galère. Déjà que c'est une vidéo très longue. Je savais qu'elle serait longue puisque je vous avais prévenu que j'allais blablater. Je suis tombée à court de batterie. Heureusement, je venais de finir mon make-up. Hein. Donc, je suis tombée à court de batterie. Je redescends pour la charger. Mon frère est arrivé entre-temps. Et je suis remontée finir la vidéo 4 heures après, je crois. Donc, voilà. Mais du coup, on a pu voir l'effet des produits après quelques heures. Donc, voilà. Encore merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, qui m'ont envoyé des cadeaux, des cartes et tout ça, des petits messages. C'est adorable. Voilà. Alors, donc j'ai fait ça. Mon frère m'a offert un t-shirt Yoda. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je voulais le montrer dans la vidéo, hein, de toute façon. Mais là, il est en dessous de celui-ci. Voilà. Il est trop mignon, bébé Yoda. Voilà. Enfin, gros coup. Si gros coup. J'ai tellement envie de voir la saison suivante, mais elle sort que fin de cette année ou fin de l'année prochaine, je ne sais même plus. De toute façon, j'ai arrêté Disney Plus parce que j'avais Disney Plus que pour cette série et payer 6 euros, je crois, ouais, je crois que c'est 6 euros par mois pour un épisode par semaine, ça fait un peu chéro, quoi. Donc là, je verrai quand ça ressortira, quand la nouvelle saison ressortira, je reprendrai peut-être un mois ou deux ou je regarderai pour le choper en streaming. Pas bien compliqué. Hein. Voilà, voilà. Donc après, j'ai fait du montage, j'ai publié ma vidéo, enfin, programmé ma vidéo et tout ça, comme d'habitude. Quoi. Voilà mon dimanche. Et Mickey me dit, oh, tu tournes un dimanche, toi. Ben oui, quand je tourne pas le samedi, je me rattrape le dimanche. Hein. En principe, il n'y a qu'une semaine, il n'y a qu'une journée sur la semaine où je tourne pas, en fait. Hein. Voilà, je vous explique. Surtout là, quand j'ai une vidéo par jour, puisque la semaine dernière j'avais une vidéo par jour qui sortait encore pour vous, enfin cette semaine qui vient de passer, et là du coup je suis obligée d'enchaîner, je peux vraiment pas me prendre deux journées de non-filmage quoi, mais sinon je suis presque tous les jours en route, c'est le truc que je préfère faire dans ma journée, donc je me prive pas pour le faire quoi. C'est pour ça que vous avez un peu plus de vidéos, parce qu'à ce moment j'ai plus envie de filmer encore que fin de l'année dernière, enfin que l'année dernière, puisque après l'année dernière, on a quand même le calendrier de l'avant, donc là c'était aussi tous les jours. Mais voilà, j'aime tellement faire ça, tourner, monter, publier, répondre à vos commentaires et tout ça, j'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez, quand on a une passion, hein, on vit que pour ça. Oui, pour ses enfants aussi, hein, il y en a encore qui vont me dire, mais oui, voilà. Après, mes enfants, moi, ils sont grands, ils font leur vie. Hein. Enzo, je ne l'ai pas vu du week-end, là. Hein. Je pense qu'il va rentrer aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vu du week-end. Donc voilà, moi ils sont grands, ils font leur vie de leur côté. J'ai toujours voulu des enfants indépendants, ils sont totalement indépendants. Donc voilà. Et sinon, chérie ne m'a pas mis ma troisième housse sur le canapé. On ne trouve pas de solution pour le fait que ça saute. Je vais. Attendez, j'essaye de ne pas écraser Didou parce qu'elle est en boule dans la couette à côté de moi. J'ai essayé de couper les boudins en deux pour plus qu'ils glissent, mais ça glisse quand même. Donc, je sais plus quoi faire.
J'ai pensé mettre de la colle chaude dessus, mais la colle chaude, ça va faire fondre la frigolite. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais quand même essayer avec la colle chaude, je pense. Il faut que je trouve un système pour qu'elle soit antidérapante, vu que ma couture est vraiment pas assez profonde. Elle est comme ça, ma couture de canapé. Donc pour éviter que ça glisse, en fait. Et j'ai pas envie de coudre la housse. J'ai pas envie de faire des trous dedans ou coller directement la housse dans le coin. Je pourrais le faire, hein, mais pas dans la bordure. Après, je peux plus les enlever si je veux les nettoyer, par exemple, vous voyez. Donc, ça, je sais pas. Si vous avez une solution, une astuce, une idée, dites-moi, hein, qui coûte rien, hein, parce que voilà, je peux encore aller dépenser des sous, sinon autant racheter un nouveau canapé au final. Donc voilà, à 13h30, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Donc là, mon frère m'a déposé la voiture, elle est devant la porte, puisque lui était de nuit. Donc, il est rentré du boulot quand mon homme est parti à son boulot. Donc, il a déposé la voiture. Mon homme l'a redéposé chez lui avant d'aller travailler. Et comme ça, j'ai la voiture. À 13h30, je vais chez le dentiste. Après, je vais lui ramener la voiture et puis lui me redéposer à la maison. C'est un bordel hein, quand j'ai un rendez-vous et que chérie prend congé. Mais bon, on fait comme on peut. L'autre est venu la chercher la semaine dernière. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. La C2 là qu'on a revendue 200 balles. Hein. Il est venu la chercher la semaine dernière, je monte pour faire une vidéo, il se gare avec le plateau devant la fenêtre. Chouette. Voilà. Sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous avez déjà eu... Normalement, attendez, je réfléchis que je ne dise pas de conneries. Attendez, je regarde mon agenda. On est là, je filme pour ce vlog-là. Ok, que je m'en mêle pas, que je ne vous balance pas une info que je voulais vous garder secrète. Donc hier, logiquement, si tout s'est bien passé, vous avez eu le mukbang. Donc normalement, je vous ai tout expliqué. Je ne l'ai pas encore tourné, je vais aller la tourner après. je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Hein, mais voilà, j'avais envie de trouver une vidéo qui pourrait plaire à ceux qui me suivent alors qu'ils n'aiment pas le make-up, qui me suivent juste parce qu'ils aiment m'écouter parler, des choses comme ça. Et je me suis dit, les trois quarts de ces gens-là sont des qui viennent de la chaîne de DJ. Donc j'en ai parlé avec elle, et quand je lui ai dit que j'avais cette idée-là, elle m'a dit, vas-y, fonce, ça va être trop bien, quoi. Donc elle m'a dit, par contre, les premières, il faut que tu fasses avec des croquettes au fromage. Alors je lui ai dit que j'en avais plus, je viens d'en retrouver deux dans le fond du congèle, donc ce sera pour la prochaine fois, puisque là... Moi, je vais la filmer aujourd'hui. Je vais manger mon tacos qui me reste d'hier. Tacos maison. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein, puisque je ne les ai pas forcément. On est lundi pour moi. J'ai hâte d'avoir vos retours et voir si ça vous a plu à tous. Hein, je ne fais pas ça que pour ceux qui n'aiment pas le make-up. Hein, ceux qui aiment le make-up aussi peuvent... Voilà, de toute façon, ceux qui m'aiment, regardent mes vidéos, peu importe ce que je fais dedans. Mais... voilà, j'ai envie de faire un peu pour tous ceux qui me suivent, comme les vlogs par exemple, je l'ai fait pour une grosse majorité, puisque vous étiez très nombreux à me les demander. J'y ai pris goût, donc voilà. Mukbang, après je suis toute seule pour manger tous les midis, hein, donc en général, bon là cette semaine il y a Georges, mais lui sera encore au lit quand moi je vais manger. Surtout qu'il faut que je mange un peu plus tôt, parce qu'à 13h je dois partir, donc attention, je mange toujours tôt à midi, puisque je mange rien d'autre de la journée avant. Voilà, ça fait déjà 8 minutes 30 que je blablate, hein, on est d'accord. Mais voilà, je vous ai expliqué mon week-end, je vous ai raconté ce que je devais faire cette journée. Je crois que c'est bon. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous reprendre aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui, je retourne chez le dentiste pour qu'elle vérifie s'il n'y a vraiment plus de tarte, si elle avait bien tout enlevé et me mettre la barre de maintien derrière les dents. Donc, je ne sais pas du tout combien ça va me coûter. En plus, chérie a oublié de me mettre une pièce pour... pour le parc-mètre à Aron. On n'a jamais de pièce, c'est toujours que lui qui en a, parce que dès qu'il voit une pièce, il la grappille pour ses cafés au boulot. Et du coup, je peux pas me permettre de me prendre un PV, c'est pas ma voiture, c'est celle de mon frère. Donc, après, c'est une plaque française. Je sais pas s'il y a plus de risques ou moins de risques, mais il faut que je trouve une pièce. Je vais fouiller un peu partout. Voilà, moi j'ai jamais de pièce, enfin de toute façon, j'ai jamais tout sur moi. Je sors pas de la maison, jamais besoin de sous. Voilà, donc bah, je vais faire ça. Je pense que je vous reprendrai pas aujourd'hui parce que je pense que j'aurai, parce que j'ai déjà mal les gencives ici. Je sais pas pourquoi j'ai mal à mort à gencives. Il faut que je demande à la dentiste. Et je pense que là, vu qu'elle va travailler dans ma bouche, j'aurai encore un peu plus mal. Donc,
je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui et de toute façon je vous explique tout ça demain matin quand je me lève quoi. Voilà, donc on peut switcher deux jours, je pense. Alors, il est 10h49, il est tard. Pour l'habitude que j'ai de filmer mes vidéos. Donc là, j'ai déjà fait mon teint, il manque l'highlighter, mais ça va dépendre de la palette qui va sortir dans le tirage pour demain pour vous. Oui, ça doit être ça. Donc hier, j'ai été chez le dentiste, rendez-vous numéro 2 chez le dentiste. Donc je zozote encore plus parce qu'elle m'a mis la barre de maintien, enfin, c'est un fil de maintien derrière mes dents pour éviter qu'elles tombent. Et j'ai le chat et Lilou qui sont en train de jouer ensemble, ils font un bordel pas possible. Et du coup, je suis un peu plus mitigée pour le deuxième rendez-vous. Comment vous dire ? Je lui ai demandé combien de temps ça allait prendre pour que ma gencive se remette. Et elle m'a dit que ça se remettrait jamais en fait. Donc je suis un peu déçue. Alors, elle a enlevé le tartre. Elle m'a dit que mes dents risquaient de tomber quand même. Forcément, puisque j'ai plus de gencives du tout. En fait, tout l'os a été rongé par les bactéries, les toxines que le tartre envoyait dans ma gencive. Et là, elle a donc mis la tige de maintien, enfin c'est un fil qu'elle a soudé à la lumière UV, je ne sais pas trop ce qu'elle a mis, hein. je n'ai pas demandé de détails, mais voilà. La seule solution pour que je récupère de la gencive, c'est de faire une greffe d'os. Donc voilà, ou le dentier, toujours, hein. Mais je suis un peu mitigée. En fait, elle a soigné le tartre, le problème de tartre, donc maintenant c'est à moi d'entretenir, elle m'a dit de continuer comme je faisais parce que j'avais une très bonne hygiène dentaire. Hormis ce problème de tartre qui s'est aggravé au fil du temps, puisque mon autre dentiste d'avant ne faisait pas les choses correctement. Voilà, en gros, c'est ça. Donc si j'avais changé de dentiste plus tôt, on n'en serait pas là. Mais quand on fait confiance aux professionnels, vous voyez, des fois, ça ne vaut pas le coup. Bref, là, j'en ai pour 250 balles pour la tige, enfin 220 euros pour la tige de maintien. Donc voilà, ça fait un peu mal au cul. Donc je lui ai demandé un peu, puisque j'ai mes racines à vif, hein, là, si vous voyez, c'est la partie qui est un peu plus foncée de la dent, c'est la racine. Hein, c'est, mes dents, elles s'arrêtent ici, à la moitié. Et donc quand je respire de l'air froid, ben, ça fait mal puisque ça lance dans les racines, puisqu'elles sont à vif. Donc quand je bois trop froid, quand je bois trop chaud, ça lance. Elle m'a dit de continuer avec le dentifrice. Pour la sensibilité dentaire, et qu'au bout d'un mois et demi seulement, hein, moi je pensais qu'au bout de quelques jours ça allait être réglé, mais non, au bout d'un mois et demi seulement, ça va normalement, la sensibilité devrait disparaître. Donc là, c'est déjà encore un bon point. Donc plus de tartre, la sensibilité dentaire devrait disparaître, et elle m'a dit que si jamais dans un mois et demi, c'était un mois et demi, deux mois, c'était encore ou toujours aussi sensible, que j'y retourne. Et elle fera un espèce de gainage en gel autour de chaque racine pour plus que j'aie cette sensation de froid. Quoi. Donc, encore un problème qui peut être résolu à moindre coût. Et esthétiquement, elle peut blanchir, donc mettre comme du produit pour les plombs, hein, qui font maintenant qui est blanc, les racines, pour qu'on pense que j'ai juste des très grandes dents en fait. Et là, elle m'a dit c'est 46 euros par dent. Remboursé à 70%. Donc, il y aurait juste les 6 ici en dessous à faire. Donc, ça me ferait un budget de 60 balles pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc, je suis très mitigée. Je ne sais pas si... je me demande encore si le dentier est quand même pas la meilleure solution. Je vais quand même attendre faire les trucs qu'elle m'a dit. On verra pour la sensibilité dentaire d'ici 2 mois. Si jamais j'ai plus de sensibilité, je reprends rendez-vous pour voir pour l'esthétique des dents. Après, c'est plus esthétique qu'avant, hein. On va pas se voiler la face non plus. Hein. Mais je reste mitigée, donc je sais pas trop. Je vais continuer à mettre de côté quand même, parce que mes dents risquent de tomber. Et là, à ce moment-là, le problème, on repart à la case départ. Là, je devrais mettre le dentier, donc on n'aura plus le choix.
Et il me faudra les sous puisque ça sera quand même pas remboursé. Donc voilà, même que je perds mes dents, c'est pas remboursé. Donc c'est un truc de fou. Ils remboursent vraiment rien pour les dentiers. C'est un truc de fou. Tant qu'on n'a pas 53 ans, on peut pas perdre de dents en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, j'attends vos retours de ce que vous en pensez, ce qui est mieux. Mais je pense quand même que continuer à mettre de côté, c'est la base pour au cas où. Voyez. Et garder les sous de côté pour si jamais un jour mes dents tombent et que j'ai plus le choix. Et voilà. Et puis de toute façon, je vais quand même mettre de côté pour l'appareil. Donc quoi qu'il en soit, cette année, je mets de côté le plus possible. Là, j'ai beaucoup dépensé pour le swap. Il faut vraiment que je me calme parce que normalement, on avait prévu fin d'année faire un calendrier de l'avant. Et là, on vient déjà de l'avancer à juillet. Tellement on va trop vite toutes les trois. Donc je pense qu'une fois que le swap sera terminé, je n'en prévois plus d'autres de toute façon. Je préfère mettre de côté. J'avais encore envie, puisque j'en ai pas fait avec Amy, donc j'avais quand même envie encore d'en faire au moins un avec Amy. Et voilà, donc là, écoutez, on va finir ce swap-là. Je profite des promos, des codes promo que j'ai eu pour mon anniversaire et des choses comme ça, donc c'est bien. Et après, mettre de côté, de côté, de côté. Voilà, je pense qu'après, j'achèterai quasi plus rien pour moi. Voilà. Bon, là, j'ai quand même... Alors, elle m'a blessé au pif. En plus, j'ai mal à mort. Elle m'a piqué sa tige en métal dans le pif, là, juste là en dessous. Donc, j'ai un petit trou et ça pèle un peu. Et j'ai super mal. C'est même gonflé. Oui, hop. j'ai le nez qui gonfle. Donc là, elle m'a pas anesthésié hier. Donc, j'aurais pu vous reprendre. Mais je suis rentrée très tard. Puisqu'après, j'ai été ramenée à la voiture à mon frère. Et du coup, j'ai dû attendre après qu'il me ramène et tout. Enfin, c'est tout un bordel, comme d'hab. Mais voilà, donc j'ai pas de rendez-vous dans l'immédiat. Je dois juste reprendre rendez-vous si jamais la sensibilité dentaire ne passe pas dans 2 mois. Si je sens que c'est passé, je reprends rendez-vous quand même dans 2-3 mois pour le côté esthétique. Voir ce qu'elle me dit, combien ça va me revenir exactement. Bon, moi je compte à peu près 60 euros, on va dire 60. Allez, entre 60 et 100 euros pour les 6 dents du bas. Le haut, ça va. Hein. À part cette dent-là, j'aime pas. Cette dent-là, j'aime pas sa forme, mais je peux rien faire. Voilà, j'ai les dents tellement écartées, vu qu'il me manque tellement dans la bouche, que celle-là, elle a poussé bizarre. Donc voilà, mais bon. Au moins, les dents, ça va à peu près, quoi. Donc voilà. Il y a une solution, quand même, à moindre coût, que ce soit... sensibilité et esthétique, et il reste toujours la solution du dentier par après, donc économie. Voilà, j'ai qu'un mot à dire, c'est économie, quoi qu'il arrive. Quand j'aurai les sous pour l'appareil, je verrai si je le trouve à moindre coût aussi, et puis on verra bien. Voilà, on verra. Donc là, moi je vais filmer, je dois enchaîner 2 vidéos aujourd'hui, alors que je traînasse depuis ce matin. Donc je vais faire ça maintenant et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre après, mais je vous ai expliqué le principal. Le facteur ne m'a rien amené d'important. Mon colis Colourpop, j'en attends 2. Un que j'ai passé dimanche. Donc celui-là, il n'est pas prêt d'arriver. Mais l'autre, j'ai commandé le 20... Je crois que c'est le 22 janvier. On est aujourd'hui le 16 février et il n'a toujours pas quitté les US. Il voilà seulement qu'il part de Los Angeles. Donc c'est très long. C'est déjà un délai très long chez eux, mais là c'est encore pire. Ça m'énerve. Bon, après il y a que 2 produits pour moi, hein, comme je vous ai dit dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Je vous la remets juste là si vous voulez aller voir. En solde, je m'étais pris un blush et un coffret de soins. Le reste c'est pour le swap, donc c'est pas urgent, mais ça m'énerve d'attendre les colis comme ça, quoi. Je veux dire, c'est presque un mois de délai, c'est énorme. Faut pas déconner. Normalement, c'est 2 semaines et demie, 3 semaines. Là, on arrive au 1 mois. Voilà, quoi. En plus, DHL vient de dire qu'ils avaient du retard. J'ai reçu une notification pour dire qu'ils avaient du retard dans les livraisons. Donc, bref. Donc, voilà. Moi, je vais enchaîner avec mes 2 vidéos. Et si j'ai quelque chose à vous dire, je vous reprends tout à l'heure. Sinon, on switch directement 2 jours. C'est bon? Vous arrêtez de gueuler? On va dire que oui. Alors, il est... 10h03. Je me suis levée hier à 8h30, je crois, et j'ai absolument rien foutu. J'ai discuté un peu avec Amy. J'ai
refais un peu mon planning, puisque du coup vous avez voté pour qu'on se retrouve encore toute la semaine prochaine avec une vidéo par jour. Voilà, vu que j'ai beaucoup beaucoup d'avance sur attends, je te couvre. Voilà. J'ai beaucoup d'avance sur mes vidéos, j'ai presque 15 jours d'avance de tournage de vidéos. Et du coup, je vais m'emmerder à attendre les 15 jours pour sans filmer et tout ça. Et voilà, donc du coup, je vous ai mis un sondage sur Instagram et vous avez été 98. Enfin, il y a une personne qui a voté non. Après, j'oblige personne à regarder tous les jours. Hein. Voilà, mais du coup, on se retrouve encore toute la semaine prochaine, tous les jours à 18h. Et voilà, donc après je vais quand même être dans le même caca, hein, je vais quand même m'emmerder puisque je vais encore prendre trop d'avance. Donc aujourd'hui, je me fais une journée glandage. Ça fait longtemps, je crois, que je ne l'ai pas fait. Samedi peut-être. Samedi, j'ai pas foutu grand chose, mais j'ai quand même fait des petites choses. Donc là aujourd'hui, journée glandage, j'ai même pas encore fait mes soins, j'ai pas brossé mes dents, j'ai rien foutu. J'ai juste bu un café. Voilà. Donc je vais faire tout ça maintenant. Ah oui, j'ai fait une nouvelle intro et outro pour les vidéos. Je vous la mets juste maintenant. J'ai gardé la même musique, hein, mais j'ai changé le truc. Donc je vous la mets juste maintenant. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. J'avais envie de changer un peu et voilà, donc j'ai changé la miniature aussi, le logo, voilà, donc vous verrez ça à partir de mardi, enfin vous avez pu voir que la date a déjà un petit peu changé, voilà, tout simplement, donc à partir de mardi, nouvelle intro, nouvelle outro, et voilà, je garde quand même mes petits cœurs, hein, parce que je les aime bien mes petits cœurs, ça fait un moment que je les ai. Donc, je vais quand même les garder. On verra après quand est-ce que je les remets ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc, hier soir, j'ai fait ça pour me passer le temps. Puis, j'ai regardé Esprit Criminel. Je suis à la saison 9 toujours, mais je ne sais plus à quel épisode. Mais voilà, ça avance. Mon poil tourne à plein régime parce que ça caille bien qu'il fasse moins froid en ce moment. Je vais vous dire, tiens, comment est-ce qu'il fait? 7 degrés! Oh, bah il fait chaud, dis donc. Ça change des moins 15. Oh, ils prévoient pas de négatif aujourd'hui ni demain. Oh, bah, pas de la semaine. Ouh, 15 degrés. 16 degrés. Ah, oh, ça, j'aime bien. 16 degrés ce week-end. Ça, j'aime bien. J'aime bien les nouvelles comme ça. C'est pour ça que j'avais un peu moins froid ce matin quand je me suis levée qu'il n'y avait pas le poil d'allumé. Ha, ha, ha. Bref. Donc, voilà. Je sais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai rien foutu. Donc, je pense pas que je vais vous reprendre. Sauf s'il y a le facteur qui m'amène un colis intéressant. Mais. J'attends pas vraiment de colis, donc il va pas vraiment m'en amener non plus. J'attends toujours trois produits, trois colis AliExpress, toujours mes crayons You Can Be, là, que j'ai hâte de vous partager, mais qui n'arrivent pas. Pourtant, ça date déjà, cette commande. Il faut que je regarde un peu pour la protection de l'acheteur, histoire que je ne me fasse pas cuter. Et j'attends deux vernis, trois vernis. Ouais, trois vernis, deux Elite 99, un noir et un kaki, si ça vous étonne. Et un thermique blanc et vert. Voilà, j'aime beaucoup les thermiques. Et voilà, donc vous avez eu normalement le mukbang hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas du tout si vous aimez ce genre de truc sur ma chaîne. Ça n'a rien à voir avec le make-up. Mais c'est justement pour ceux qui me suivent, alors qu'ils n'aiment pas le make-up. C'est particulièrement des gens qui me suivent depuis la chaîne de DJ, donc comme je sais qu'ils aiment beaucoup ça sur sa chaîne à elle, qu'ils nous ont demandé beaucoup d'en faire ensemble. Alors, en sachant que déjà DJ mange beaucoup plus que moi, hein, et que là, avec le semi-confinement, j'ai envie de dire, on ne peut pas se voir comme on veut. On essaye de se voir une fois par semaine, mais on garde les distances de sécurité et tout, donc manger une à côté de l'autre, ça ne le fait pas trop non plus. Donc je sais pas, on fera peut-être une fois sur sa chaîne si elle en a envie. Enfin voilà, moi je suis le mouvement, en principe c'est elle qui me propose pour faire des choses. Donc voilà, moi je ne lui impose rien. Je ne suis pas amie avec elle à cause de son compteur d'abonnés, n'est-ce pas? Donc
On est amis grâce à YouTube, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, mais c'est pas ça qui nous lie, quoi. Je sais pas comment expliquer, enfin bref, on est juste amis, voilà, c'est juste mon amie, et quand elle vient, on parle pas forcément de se faire des vidéos ensemble ou des choses comme ça, on se voit parce qu'on a envie de se voir et qu'on s'aime beaucoup. Et voilà. Bref, Déchi, si tu passes par là, je te fais des gros poutous. Je sais que tu vas regarder en faisant à manger, comme d'hab. Elle regarde mes vlogs en faisant à manger. Voilà, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. J'ai appris ça, vous m'avez souvent dit. Donc là, je suis un peu en train de parler pour ne rien dire. Je pense que ce vlog ne sera pas très long. Mais comme c'est la semaine où les enfants, enfin où Georges est en congé scolaire, c'est un peu plus délicat. Je suis rarement toute seule. Donc c'est pas que ça me dérange qu'ils soient à côté de moi, hein. Je le fais, ils aiment bien être aussi un petit peu là, mais le problème c'est qu'ils font beaucoup de pouces et là c'est chiant, et puis je peux pas organiser mon planning comme d'habitude. Déjà je me lève plus tard, donc moi normalement je me lève à 6h30, je fais mes soins avant 7h30, avant 8h30 j'ai fait mon teint et je monte faire ma vidéo, et je fais ma vidéo avant 10h du matin. Là, il est déjà 10h et j'ai rien foutu. Donc, ça change un peu le programme. Et moi, j'aime pas être chamboulée dans mon programme quotidien. Et là, normalement, je voulais aujourd'hui tourner le challenge Disney pour mercredi. Mais du coup, je vais le faire demain. Donc, demain, je vous prendrai pas une fois que je suis maquillée pour pas vous spoiler non plus. Hein, je vous laisse la surprise. C'est la petite sirène qui est ressortie. Et voilà, vous verrez quel personnage vous nous avez attribué l'un et l'autre. J'ai le chat qui vient squatter. Tu dis bonjour. Bonjour les gens. Bonjour, bonjour. On fait bisous. On n'aime pas les bisous. Hein. Non. Du coup, il y a Lilou qui est jalouse de l'autre côté. Mais dès que je suis dans le canapé, il faut qu'il vienne me squatter, celui-là. C'est un vrai pot de colle. Voilà. Donc, écoutez, je pense que ça sera déjà tout pour aujourd'hui. Sauf si le facteur m'amène mes foutus crayons. Ma commande Colourpop, toujours bloquée à L.A. Donc voilà, la deuxième, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont me l'envoyer. Donc c'est chiant. Ah oui, j'ai super mal au nez. Elle m'a blessé la dentiste là, à mort. Donc je mets du Wonder Balm. Hein. Mais j'ai super mal. C'est tout rouge. Elle m'a pas rassé, hein. Elle m'a piqué sa tigette en métal là dans le. Juste là. Et ça fait bien mal. Voilà, écoutez, je vous reprends s'il y a quelque chose, sinon on switch déjà deux jours, ça passe très vite, hein, 10 minutes par jour, mais bon, ça vous fera quand même un petit vlog au pire de 30 minutes. Hein. Moi j'ai rien d'autre à vous dire, chérie m'a toujours pas mis cette foutue housse sur le canapé, ça arrête pas de sauter, on n'a toujours pas trouvé de solution. Oh putain, j'ai des poils partout maintenant avec le chat. Et voilà. Oh, tu perds tes poils là, mon moche. Tu perds tes poils là. Oh, c'est pas Moumou, c'est un qui s'appelle, c'est Démon. C'est mon petit démon à moi. Eh oui. C'est un bandit, hein, ce chat. Après, tous mes animaux ont des surnoms. Voilà, je crois. Enfin, tout le monde a des surnoms avec moi et des surnoms un peu chelous. Voilà, le gros, c'est Prout-Prout. Je crois que vous avez commencé à le comprendre. Alors que son nom, c'est Ryan, mais. J'aimais pas de base déjà, on l'a eu, il s'appelait déjà comme ça. J'aimais déjà pas de base. Je voulais changer son nom et l'association qui nous l'a replacé, parce qu'il a été placé par une association chez nous, m'a dit oh, c'est pas l'idéal et tout. Donc je l'ai pas fait sur leur conseil et finalement j'aurais pu le faire. Il avait que 4 mois donc j'aurais pu très bien lui changer son nom. Oui, c'est de toi que je parle. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est ta faim, c'est l'heure d'athlète. Non, là il se gratte. Et donc, je ne vais pas changer son nom, mais du coup, il a plein de surnoms. Enfin, c'est bébé et puis Prout-Prout. Prout-Prout en particulier. Et ça lui va très bien, vu les odeurs qui peuvent sortir de son cul, c'est là. Hier, il m'a gazé toute la soirée, là. J'étais à mon bureau, il était... Mais oh, j'ai un poil collé maintenant, à cause de la crème. Il était collé à moi, là, près du bureau, et il n'arrêtait pas de me gazer. Insupportable. Voilà, et la Chico qui fait que gueuler. Hein, comme d'hab. Grande gueule hein, pour les petits chiens. Hein. Plus c'est petit, plus ça fait du bruit. Hein. Bon, je vais aller leur donner à manger parce que sinon ils vont pas me foutre la paix. Là, il vient emmerder le chat. Viens là, dire bonjour. Viens là, pote. Ryan.
Et ce chat, viens là. Viens là, dire bonjour. Allez, couche. Voilà. Bon, vous ne voyez pas beaucoup. Hein, si tu peux plus sur maman, hein, pour si tu peux plus sur maman, oui. Moi, oui, c'était le plus sur maman. Ouh là 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 là, il adore qu'on lui gratte les oreilles. Hein, regarde ici. Regarde là. Prout, regarde là. Regarde, regarde. Ouh, t'es beau. Oh, que t'es beau. Il est en train de me pousser dans le canapé. Bon, ben je vais vous laisser là pour maintenant. Et puis on verra tantôt si je vous reprends ou pas. Et puis voilà. C'est un peu chiant comme vlog, non? En même temps, je suis en mode momolitude là, depuis les gelées. Je vous dis, j'arrive pas à me... Je cherche ma motivation. C'est un truc de fou. Et je zozote un peu moins, non? J'ai l'impression avec ma barre derrière. Là. Mais vous la verrez pas, hein. Ouais. C'est une petite tige blanche, ça se voit à peine. Par contre, les animaux restent bien coincés. Je dois bien insister que la brosse à dents. Hein. Faut encore que j'aille faire ça d'ailleurs. Bon, je vais aller m'occuper de mes bestioles parce que là, il y en a un qui fait la gueule. Parce que je vais passer vite. T'as faim? Bah oui, t'as faim. Ah, voilà, du coup, il se lève. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Alors, il est 9h30. Et je vais faire mon teint avec vous. Voilà, ça fournira un peu le vlog puisque il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc là, j'ai juste plaqué mes sourcils avec le produit ABH. Peut-être zoomer un tout petit peu, non? Que j'ai vraiment, vraiment hâte de terminer. Je vous montre, je l'ai regroupé au milieu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Franchement, j'ai hâte de le finir et de pouvoir repasser au savon. Je le trouve pas extraordinaire, ce produit, pour le prix. Voilà. Donc, je vais attaquer mon teint. Aujourd'hui, je vais tourner le challenge Disney avec les copines, hein, que vous aurez mercredi. Donc après, je vous reprendrai pas pour pas vous spoiler. Hein. Tant que je suis pas démaquillée, je vous reprendrai pas. Sauf si je me démaquille tout. Je ne sais pas. On verra bien. Je vais commencer par mettre ma base, donc j'essaie de terminer la primer, la princesse potion hein, de W7. Je suis au bout, je l'aime bien, c'est pas une mauvaise base en soi. Après j'ai eu un gros coup de cœur pour la NYX que j'ai testé dans mes cadeaux d'anniversaire. Ce qui ne m'arrange pas du tout parce qu'une fois que j'aurai fini celle-là, je vais pas me la racheter à 18 balles quoi. Ça fait un peu géro. Donc voilà, je sais pas. Après, je profiterai des promos, quand il y aura des promos sur des, un site ou l'autre qui la vend, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cette base. Rien que l'odeur et la texture, j'en suis fan. Et je l'ai étudié qu'une fois, hein, puisque là, j'attends de finir la princesse potion. J'ai un truc dans l'œil. Et après, j'aimerais bien finir la Catrice comme ça, c'est une petite, donc ça devrait aller assez vite. Alors, en fond de teint, je suis en train d'essayer de finir celui-ci, le CC Perfecting. Et du coup, j'ai sorti pour le terminer avec, puisque j'ai fini mon essence qui était dans ma rotation. Essence, le F6.5 de celui-ci, que j'ai mixé dedans. Et mon Catrice. Donc là, j'ai ressorti le F6 de chez Révolution, pour, comme il est trop clair et l'autre est trop foncé. Donc le combo des deux est parfait. J'en mets un peu plus que d'habitude pour le finir assez vite. Parce que la teinte ne me convient pas du tout, du tout, du tout, ma chérie. Donc je trempe une fois pour chaque joue et une fois pour le front. Comme ça, une fois que j'ai fini celui-ci, je pourrai ressortir le F7.5. Et du coup, sur mon éponge, je mets deux pompes de celui-ci pour finir plus vite. Que je tartine à droite à gauche pour bien mixer et on y va. Donc le challenge Disney, mais non j'ai l'œil qui coule, c'est tous les derniers mercredis du mois, hein, pour ceux qui ne savent pas, et je vous remets le dernier dans le petit i ici. Moi ouais, je crois que c'est ici ou ici, je sais plus, je suis un peu perdu là. Donc comme le thème cette fois-ci c'est
la petite sirène, j'ai mis mon pull bleu pour rappeler la mer. Et j'ai fait un chignon parce que je vais mettre mes cheveux bleus. Donc, je vous montre pas tout ça, ce sera la surprise pour mercredi. Je vais pas trop vous spoiler pour les challenges, j'aime pas. Et j'ai toujours mal au nez, hein. La dentiste, elle m'a pas raté, hein. Donc, la luminosité, c'est pas top top, hein, mais bon, on fera avec. Et vous voyez que le teint, le mélange des deux, ça va. Hein. Mon anti-cerne, toujours le XX pour l'instant. C'est encore celui que j'essaie de finir et je m'en fous partout. Enfin, que j'essaie de finir. De toute façon, j'utilise celui-ci ou le Infinite. Hein. Alors, en matière, j'ai un léger penchant pour le Infinite. Je préfère la texture de l'Infinite. Celui-ci est un tout petit peu plus fluide. Il a une bonne couvrance aussi. Mais le Infinite, je préfère la texture et l'embout. Mais celui-ci, rapport quantité-prix, est moins cher. Donc, suivant les promos qu'il y a, ça dépend lequel je prends. Mais j'aime bien les deux. Mes éponges, le cucu, on blend des zones de lumière pour commencer. Et les cernes. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais, hein, mais bon, écoutez. Après, le vlog aurait été trop court et je me serais fait engueuler. Est-ce que c'est pas une semaine passionnante, encore une fois? Et là, à part le rendez-vous chez le dentiste, j'ai rien fait de la semaine. De toute façon, après, c'est comme ça régulièrement chez moi. Je bouge pas beaucoup, moi. Aussi, il va falloir que j'aille chez Action la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il me faut quelques petits trucs, notamment pour les ventes vintage. Il me faut des enveloppes bulles, des trucs comme ça. Il me faut une boîte à tartines à Georges parce qu'il a cassé la sienne. Donc, suivant ce que j'achète, soit vous aurez un haul, soit je vous montrerai en vlog. Alors, pour la poudre, je continue toujours ma Sephora qui est en bout de vie, mais c'est vraiment chiant parce que j'ai vraiment du mal à racler les bords et j'ai horreur de ça. Donc, je pense que je vais me garder un petit pot et y friter les poudres que j'ai presque fini dedans. Que là ça va, ici le côté est encore un peu plus large, mais de l'autre côté ça devient la misère pour le récupérer. Puis elle se casse. Donc je poudre mes cernes au pinceau et le reste à la tête. Il faut que je lave. Mais j'ai du mal à la prélever, la poudre, et ça m'énerve. Bon, celle-là, je vais la laver en même temps que mes éponges. Alors, ensuite, gros pinceau et je balaye l'excédent. Oh. Voilà. M'énerve cette mèche. Alors, un bronzer, toujours le Oula, que j'essaye aussi de terminer, qui se creuse de plus en plus, hein, mais pas assez vite à mon goût. Donc, j'ai commencé avec le pinceau comme ça, de chez Catrice. Pour marquer les zones. Voilà. Et ensuite, je reprends un pinceau plus souple. C'est un de chez Essence. Je reprends de la matière. Pas trop trop, mais bon. Faut que je frotte les bords, ça m'énerve. Pour flouter tout ça. J'ai l'impression qu'il se terminera jamais ce bronzer. Alors ensuite je reblend avec le pinceau poudre. On passe au blush, toujours le Baby Doll de chez Essence, que c'est aussi un que j'essaie de terminer. On commence à voir la forme du pan, hein, il est bien creusé.
pinceau de chez Catrice que j'avais eu dans le swap avec Manon. On commence à bien voir la forme du pan, c'est bien ça, c'est bien, continuons. Faut que je termine cette année celui-ci. Ensuite, on estompe. Ok, les cheveux m'énervent vraiment. Je vais mettre des pinettes après. Petit coup de café. Alors, ensuite, je passe à mes sourcils. Faut que je trouve mes produits. Hop là. Mon goupillon. Donc, je vais commencer par les brosser pour enlever la poudre, le bronzer, les redéfinir, enfin les nettoyer, quoi. Je prends mon crayon, c'est celui de chez Catrice, et je vais redessiner la queue. Alors, vous n'allez peut-être pas bien me voir. Non, pas du tout, même. Et je vous fais bouger aussi avec mon pied. Je fais la petite ligne ici en dessous parce que, comme j'ai des épis à droite à gauche, c'est un peu fort. Et je vous fais vraiment bouger. Hein. Voilà. Et ensuite, je prends un autre coup de cœur, le Lift and Snatch de chez NYX. J'adore ce produit pour mes sourcils. Merci, Amy. Et là, je vais faire des petits traits du poil à poil. Je suis totalement fan de ce produit aussi. Il faut vraiment que je teste le Essence et le Catrice pour voir s'ils sont aussi bien. Mais la pointe a l'air beaucoup plus rigide sur... sur ces deux-là que celui-ci. Mais je pense qu'il va faire partie intégrante aussi de ma routine sourcil. Voilà. Je blend avec mon goupillon pour pas que les traits soient trop nets. Voilà. Donc maintenant, je vais fixer mon teint avec mon petit bunny là. Qui sent le Malabar. Voilà. La seule étape que je ferai pas avec vous, c'est l'highlighter. Donc on a quasi fini. Mettre ma base à paupières maintenant et mon plumper. Et puis on est terminé. Donc ça va. Donc je nettoie mes paupières pour enlever l'anticerne, la poudre et tout ça. Je nettoie les lèvres. Je mets mon petit baume à lèvres pour réhydrater et nettoyer. Puisque le fixateur, ça me dessèche les lèvres à mort. Voilà. Je mets mon petit plumper, donc là c'est toujours celui de chez Charlotte Tilbury, c'est celui que j'ai eu à Noël de la part de mon frère. Le chien descend d'une discrétion à toute épreuve. Non, je te fais pas sortir, je vais aller faire ma vidéo, mais non. Bah ouais. Et voilà, comme ça, ça va me lisser les lèvres. D'autant que je fasse mon make-up des yeux. Et je termine en appliquant ma base, donc qui est toujours ma base préférée, de chez préférée, qui est la Ultimate de chez Révolution. Donc vous êtes nombreux à me dire que c'est un dupe d'Apé Louise, mais non, c'est pas un dupe d'Apé Louise. Je n'aime pas l'Apé Louise et celle-ci, je l'adore. Je suis en train de parler. C'est plus un dupe de la Anastasia. Puisque celle-ci, elle sèche, pas entièrement, mais elle sèche quand même plus que la Pélouise, qui reste plus grasse,
qui accroche du coup plus les phares, et c'est là qu'on risque de faire des taches. Tandis que celle-ci, comme elle sèche un minimum, le fard glisse plus facilement. Donc après, tout dépend aussi de votre façon de vous maquiller après les yeux. Le chien va me faire chier jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Mais c'est pas du tout un dupe de la P. Louise. Quand je vous ai fait la vidéo comparative, je vous ai bien dit que c'était c'était le parfait équilibre justement entre la P. Louise et la Cut Plus Canvas. Elle intensifie les fards comme la P. Louise. Elle est aussi pratique à utiliser que la P. Louise. Elle unifie bien la paupière comme la Cut Plus Canvas et la P. Louise. Il va me taper une crise de nerfs. D'ailleurs, j'ai trouvé que comme elle est plus claire, elle intensifie mieux sur moi les fards que la P. Louise, justement. Donc non, c'est pas un dupe de la P. Louise, plutôt de la Anastasia, que je n'ai jamais testé, mais c'est Marion qui l'a dit dans sa vidéo quand elle l'a testé. Et voilà. Bon, je vais aller ouvrir à mon stupide chien qui m'énerve. Et une fois qu'il sera rentré, j'irai faire ma vidéo. Donc, je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Et donc là, il est 14h tout pile. Je sors de la douche. Voilà, donc je spoil pas comme ça le make-up. Et je peux vous garantir que je n'en suis pas peu fière de ce make-up. J'ai hâte que vous le voyez ça mercredi. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc là, j'ai attaché mes cheveux puisque je devais pas les laver. Dommage, je pense que je vais les lisser un peu. Et voilà, donc j'ai fait ma vidéo. J'ai pendu la machine d'Enzo. Les plombs ont sauté 3 fois de suite. Et à chaque fois, la machine redémarrait à 5 minutes. Mmh. On est content. Je suis un peu basse. Comme ça, vous voyez bien le bordel derrière. Et donc j'ai pendu la machine d'Enzo, j'ai été à la douche, ça je vous l'ai déjà dit je crois. Oh là là, je me répète, et voilà, mamie est fatiguée, mamie va aller à la sieste je crois. J'ai fait ma vidéo, j'ai fait le montage, donc là il est terminé, je vais pouvoir la mettre à uploader pour la programmer pour un mercredi. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, comme d'hab, maintenant je vais glander ou siester, je ne sais pas encore, j'hésite. M'habiller pour commencer quand même, pour ne pas rester à moitié à poil. Et voilà. Je vais vérifier si ma vidéo, le montage est correct, s'il n'y a pas d'erreur. Et puis voilà, j'aurai fini ma journée aujourd'hui. À 6h, il y a la vidéo qui sort. Demain, je dois faire tourner mon linge. Mais je vous jure que j'ai commencé à avoir peur de faire tourner cette machine. C'est un truc de fou. Elle me fait peur. Elle fait un bruit. On a l'impression que le tambour, il va se décrocher. Il est temps qu'on la change. Ça commence à être chiant. Bref. Donc, ben voilà. Moi, je vais vous laisser là pour pour aujourd'hui. Et demain, on va voir ce qu'on va faire. Demain, je clôturerai certainement. Demain, je dois filmer une vidéo et un make-up pour une palette 3 looks qu'on m'a demandé, et je crois que ce sera déjà pas mal. Ouais, ce sera déjà pas mal. Là, je pense que je vais aller faire une sieste. Voilà, donc ma vie est passionnante, hein. Je vous avais prévenu, hein. Mais là, c'est vrai que cette semaine, c'est vraiment chiant puisque je fais rien. Là, je suis censée avoir des gosses, moi. Hein. Il est 14h03, j'en ai pas vu un seul encore. Hein. Voilà, sinon j'ai deux fils, hein, normalement, je sais pas où ils sont, hein, ils dorment. Alors, il est 11h52, pour être très précise, je vous dis, quand je vous dis que je suis une horloge parlante. Donc là, je viens de tourner ce make-up qui est une vidéo pour lundi, pas celui lundi qui vient, celui lundi d'après, je crois, je sais plus, c'est une palette 3 looks, voilà, vous verrez bien avec quelle palette. Là, je vais filmer mon décloteur. D'abord, je vais aller manger, parce que j'ai la dalle. Et voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Il se passe absolument rien cette semaine. C'est un truc de fou. Là, ce matin, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, j'ai aspiré mon poêle à pelet, j'ai fait l'appel avec Amy du vendredi matin comme d'habitude. J'ai fait mon teint, mes soins
on était en appel avec Amy. J'ai fait mon teint en regardant un épisode d'Esprit Criminel et voilà que je monte faire ma vidéo. Facteur, ça fait 3 jours qu'il m'apporte rien. Après, ça évite les factures, c'est pas plus mal, mais bon, j'aimerais bien quand même recevoir mes petits colis AliExpress qui traînent là. Et voilà, mon colis Colourpop n'a toujours pas bougé alors que le deuxième a déjà été envoyé. Ça commence à me pomper, donc je vais attendre encore un petit peu moitié de la semaine prochaine, puis j'enverrai un mail quand même pour voir qu'ils ne soient pas perdus, quoi. Ça me ferait chier. Et voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Là, après, je vais filmer mon décloteur, donc ça prend un peu plus de temps. Faire le montage de ce make-up et du décloteur après. Voilà, ça va pas être passionnant, passionnant, n'est-ce pas? Puis certainement finir à la sieste à un moment donné. Hein. Voilà, parce que mamie fait sa sieste. Et voilà. Donc, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici pour cette semaine. Alors, il n'aura pas été hyper passionnant, hein, je suis désolée, mais voilà. Je vous avais prévenu hein, que les vlogs, ça allait être chiant, que ça allait être souvent la même chose, mais je ne sais pas m'inventer une vie. Hein. Voilà. De toute façon, il n'y a aucun intérêt. Donc, voilà. On se retrouve de toute façon demain pour vous, pour la vidéo make-up de la semaine. Et après, il me semble qu'on reprend les. Oui, il y a encore une semaine de vidéo pour vous. Oui. Oui, la semaine qui vient, là, on se retrouve encore tous les jours. Je crois, si je dis pas de bêtises, je m'emmène dans mon planning, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve demain. Et voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous fais plein de gros bisous.